Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Chanter dans sa présence, une émission d'adoration, une émission de louange. Ici, nous recevons pour vous des artistes musiciennes qui viennent bénir les enfants des dieux à travers leurs chansons. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un artiste. Certainement, les uns les connaissent et les autres ne les connaissent pas. Vous allez les découvrir grâce à cette chanson « Dans tes bras ». C'est la première chanson qu'il annonce. Selon toi, je veux parler comme toi, je veux marcher avec toi, je sais, je le peux par la foi. Dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras. Dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne. Je m'abandonne dans tes bras. Dans tes bras, je désire être à l'abri de regards curieux. Dans la chaleur de ton être, abandonner de mon mieux. Dans tes bras, je désire être à l'abri de regards curieux. Dans la chaleur de ton être, abandonner de mon mieux. Dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras. Dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras. De paix, dans tes bras d'amour, dans tes bras Seigneur, je m'abandonne. Pas d'évité pour ta paix de paix, pas d'évité pour ta paix de tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras. Dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras, je m'abandonne dans tes bras. Dans tes bras, certains le reconnaissent et certains, les autres ne le reconnaissent pas. Il s'agit du frère Joël Ngoyi qui est avec nous sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons devoir passer ces moments dans la présence de l'Éternel. Bonjour frère Joël. Bonjour ma soeur Pascalie. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Amen. Bienvenue dans notre émission. C'est pour moi un plaisir parce que ça fait vraiment longtemps que j'attends votre invitation. Je pense qu'aujourd'hui, une de mes prières a été exaucée. Alors, je crois qu'on va passer des très bons moments ici ensemble et ceci bénira les enfants des dieux qui nous suivent. Avant toute chose, nous aimerions connaître qui est le frère Joël. Frère Joël Ngoyi de Kisangani. Je suis artiste chansonnier. Vous aimez bien ajouter des Kisangani, pourquoi? C'est comme Jésus de
de Nazareth. C'est comme Jésus de Galilée, c'est comme Panam de Kentucky, c'est comme Paul de Tarse. Voilà. Alors, c'est comme Pascaline de quelque part. Vous voulez toujours que tout le monde sache d'où vous venez? Non, en fait, c'est une référence. Là, chez nous, n'avons pas eu la chance de propulser des musiciens. Et c'est une façon d'encourager ceux qui sont restés là-bas, qui est le possible, de venir de Kisangani et de faire carrière. Alors, depuis combien de temps vous faites la musique? La musique, de manière professionnelle, je l'ai commencé le 31 mai 2009. 2009. Et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à faire ce que vous faites, la musique et tout. Dans votre carrière, vous vous souvenez de la première chanson que vous avez composée? Oui, oui. J'avais 11 ans. Ça s'intitule « Amour merveilleux ». J'étais encore vraiment, vraiment môme, quoi. J'étais gosse. Ah, vous pouvez fredonner un peu, hein? Ton amour merveilleux, il aussi grand pour moi, tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Je suis en train de rire parce que, vous savez ma soeur, le jour que j'avais écrit cette chanson, je n'avais pas dormi. J'étais tellement heureux que toute la nuit, je la chantais. Aujourd'hui, ça me fait du bien de le fredonner encore. Ça fait du bien de le fredonner, surtout que c'est les fruits de votre travail. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des musiciens partout, mais qui ne savent pas écrire, qui ne font qu'interpréter ou chanter, qui ont un don, qui ont la voix, mais qui ne savent pas écrire. C'est une grâce. Nous, c'est pas par quelconque mérite. Je pense que c'est une grâce. C'est comparé à quelqu'un qui t'offre une chemise. C'est un don de Dieu. Voilà quoi. Vous venez de chanter Dans tes bras. C'était quoi le message clé de cette chanson? Je pense que le désir pour un enfant, c'est de se retrouver dans le bras de sa maman. Parce que dans le bras de la maman, il y a tout. Il y a à manger, il y a la sécurité, il y a le confort, il y a des caresses, il y a la fessée. Donc moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est une prière que je me retrouve toujours dans le bras de l'Éternel, pas seulement se retrouver, mais que je demeure aussi. On va continuer cette émission, mesdames et messieurs. Vous nous suivez, vous êtes en direct. Vous pouvez participer à travers les numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Vous aimeriez aussi être les prochains sur ces plateaux. Vous pouvez tout simplement nous contacter à travers ces numéros ou encore à travers nos réseaux sociaux qui sont disponibles. Vous pouvez nous laisser un message et nous allons répondre pour que vous soyez les prochains invités de cette émission. On va écouter la deuxième chanson qui est Mugenzi Wawe. On se retrouve tout à l'heure. Bizero
Gezi wawe uzamukunde Nibaragazo se Nimutima wose Mugenzi wawe Mugenzi wawe Mukunde, ibaragazo se, imutima wose, mugenzi wawe, mugenzi wawe, mugenzi wawe, mugenzi wawe, c'est en quelle langue? Mugenzi wawe, c'est en Kinyarwanda. Kinyarwanda, là je fais coucou à ma maman, d'ailleurs. Vous vous débrouillez très bien, hein, Kinyarwanda. Ouais, pas très bien, mais jeu de phrases, voilà quoi. Ça veut dire quoi, Mugenzi wawe? Mugenzi wawe en Kinyarwanda signifie ton prochain. Donc, dans la chanson, je suis en train de dire que ton prochain, tu dois l'aimer de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. Donc, voilà quoi, le contenu de la chanson. Non, c'est d'ailleurs une recommandation de Jésus, d'aimer son prochain comme soi-même. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, je pense que nous avons beaucoup plus besoin de ces thèmes de l'amour dans le monde, dans notre continent, l'Afrique, dans notre pays, et dans notre église. Nous avons besoin de l'amour. En fait, c'est la plus grande puissance qui ne puisse exister. Et Frère Joël, quelle est votre source d'inspiration? Comment vous faites pour vous inspirer et faire la composition de vos chansons? En tant que chrétien, ma plus grande source d'inspiration, ça a toujours été la Bible. En fait, toute la fois que je lis la Bible, ça m'inspire. Mais comme aussi nous avons cru au message de l'homme, le message aussi est une autre grande source d'inspiration. Mais à part la Bible, le message, nous avons aussi le vécu, la vie courante, tout ce que je vois, tout ce que j'écoute, tout ce qui me touche. Quelquefois, ça m'inspire et ça finit toujours par une chanson. Vous avez dit au début que c'est depuis 2009 que vous vous êtes lancé officiellement, s'il faut le dire comme ça, d'une manière professionnelle dans votre carrière musicale. Est-ce que pendant ce moment, vous avez quand même eu des gens qui vous ont encouragé, qui vous ont dit, voilà, vous avez un don, vous avez les talents, allez de l'avant, on va vous soutenir? J'ai toujours dit que c'est mon père qui m'avait mis sur le rail, parce qu'en fait, toute la fois qu'il m'offrait des cadeaux, c'était soit une petite guitare, déjà à l'âge de 5 ans, j'avais une petite guitare, un petit harmonica, un petit accordéon. Et par la suite, il avait aussi un ami, Bruno Inyongu, qui aujourd'hui est en Afrique du Sud, parce que dans le début, je ne croyais pas en moi. C'est lui qui m'avait encouragé à continuer à écrire des chansons. Mais à part ça, il y a aussi le public. Parce qu'en fait, comme je venais de vous le dire, c'est à partir de 2009 que je me suis lancé dans cette carrière. C'était suite à un concert que j'avais joué. Et vu le nombre de gens qui étaient venus m'écouter, je m'étais dit que ça valait la peine que je fasse la musique. Mais il y a aussi la maison de production qui avait produit mon premier album, Capé Production, qui est aussi un grand soutien. Il y a le public, il y a l'église, les enfants de Dieu, voilà quoi. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir que vous étiez dans le néant, s'il faut le dire comme ça, inaperçu? Et il y a quelqu'un qui reconnaît ce que vous avez comme talent, qui vous amène à un concert, à une production, et vous êtes accepté. Qu'est-ce que cela vous avait fait? Je pense que c'est une grâce, c'est un don, rien de plus. Je ne suis pas plus spécial que les autres. Je pense que c'est juste un don. Vous savez, on ne prie pas pour recevoir un don. Un don, c'est quelque chose que quelqu'un te l'offre gratuitement. Et vraiment, c'est mon cas, parce que je ne croyais pas être artiste musicien dans le début, quoi. Je ne rêvais pas ça. Mais je pense Dieu, par sa grâce et les destins aussi, a fait de moi ce que je suis. Bien que je ne suis pas encore arrivé, je suis encore vraiment, vraiment dans mes débuts. Je pense que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, alors qu'on vous retrouve dans un style différemment par rapport au style que nous avons l'habitude d'écouter. C'est vrai qu'il y a, nous sommes en République démocratique du Congo, où il y a beaucoup de musiciens avec des divers styles, des manières très différentes de chanter. Alors que vous faites un autre style, est-ce que
Les gens arrivent à vous accepter facilement. Ouais, les gens m'acceptent. Déjà, je suis votre invité. Ok. C'est-à-dire, je pense que vous m'avez invité parce que vous avez cru en moi. Et il y a aussi de gens qui... Par exemple, mon premier album, Garizim, a été top vente en 2013 à Gospel Cross pendant 6 mois. Donc, faire différemment que les autres ne dit pas que les gens ne vont pas aimer. Au contraire, quand les gens écoutent une sonorité qui sonne... différents des autres, ils disent quand même il y a de la différence, ça crée de la curiosité et du coup il y a des gens qui adhèrent facilement à la chose. Le frère Joël collabore facilement avec les autres musiciens ou il est seul dans son coin? Je suis quelqu'un de très ouvert, de par ma nature je suis très ouvert. Mon premier album Garizim, j'ai eu la grâce d'avoir comme featuring le pasteur Lifoko, le pasteur Kouété, et dans mes concerts, c'est toujours plein de musiciens que j'invite. Moi-même aussi, en tant que promoteur culturel, j'ai dans la ville de Kinshasa produit beaucoup de artistes, donc je collabore très bien avec d'autres artistes. Il collabore très bien avec les autres artistes. Tout au long de cette émission, nous allons découvrir réellement ce qu'il fait, comment il fait pour que sa musique soit reçue dans vos maisons. Alors, on va écouter notre troisième chanson d'aujourd'hui, L'Aigle. On se retrouve tout à l'heure. La lune.
échappe à la lumière. L'aigle ne combat pas la lumière. C'est sans de moineaux qui combattent la lumière. Mais l'aigle ne combat pas la lumière. C'est sans de cafards qui fuient la lumière. Mais l'aigle ne combat pas la lumière. L'aigle ne combat pas la lumière. Est-ce que c'est parce que l'aigle a combattu la lumière que vous avez eu à chanter cette chanson où vous avez remarqué qu'il y avait deux oiseaux qui combattaient la lumière? En fait, c'est une métaphore. Ça vient d'une histoire que Frère Branham nous a dit. Aux États-Unis, il y a la Statue de la Liberté avec une lumière dessus. Oui. Donc, il y a toujours de ces espèces qui ne veulent pas de la lumière. Et ils viennent... par souci d'éteindre cette lumière, ils viennent se cogner à cette lumière. Et comme la lumière est plus forte, plus grande, ce sont ces oiseaux-là, les chauves-souris, le moineau qui finissent par mourir. Mmh. En fait, c'est pour dire aussi, quand c'est temps de la fin, Dieu nous a envoyé un message de là qui est la lumière, en fait. Et comme dans le naturel stupéfie le spirituel, il y a toujours de ces gens qui ne veulent pas la lumière, qui critiquent le message. Et comme le message est une lumière et plus grande, plus forte, c'est au contraire ces personnes-là qui meurent. C'est un peu ça, la chanson. Mais même la Bible le dit que quand vous êtes... on critique toujours ce qui est bon, ce qui est très important, c'est ce qu'on critique. Quand on ne critique pas, c'est qu'il n'y a rien dedans. C'est ce que nous sommes en train de chanter dans cette chanson, en fait. Oui. Quand vous critiquez le message, quand vous êtes contre le message... donc vous êtes dans les ténèbres, vous êtes une espèce qui est hostile à la lumière. Mais comme la lumière est toujours plus forte, ça finit par triompher, quoi. Vous avez dit tout à l'heure, vous combattez William Marion Branham, vous mourrez. Alors que c'est juste un prophète, comment on le combat et on meurt? C'est comme combattre pour un enfant de Dieu. C'est pas seulement William Marion Branham, tous ceux qui combattent. Tout celui qui combat un enfant de Dieu, déjà, il meurt spirituellement. On ne peut pas combattre un enfant de Dieu. Dans la chanson, je cite Frère Branham, c'est un prophète, mais ça peut être un serviteur de Dieu. Ça peut être la sœur Pascaline, vous voyez. Parce que tout celui qui vous combat, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans le même esprit, c'est-à-dire il est dans l'autre camp. Et quand vous n'êtes pas dans le camp de la victoire, c'est-à-dire vous êtes dans le camp de l'échec. Le frère Joël, déjà lancé, vous avez déjà une carrière professionnelle. Depuis 2009. Depuis 2009, combien de concerts avez-vous déjà organisé? Le nombre de concerts, c'est un peu difficile. Je n'ai pas le chiffre dans la tête, mais pour cette année, j'ai déjà joué deux concerts. Donc, je suis vraiment un artiste actif. Actif. Je suis vraiment actif, je joue des concerts quand... Ce n'est pas beaucoup de concerts déjà depuis le début de l'année? Non, au contraire. Vous voyez, avec ma soeur, avec tout ce qui se passe dans le monde, le média, l'internet, la télé, la radio, avec toutes ces salités qui circulent en rond, je pense qu'il est très important d'offrir aux enfants de Dieu un espace, l'occasion de se retrouver, d'écouter de bonnes choses, de se détendre, c'est très important. Que diriez-vous de ceux qui pensent que pour organiser un concert, il faudrait peut-être que ce soit la sortie de l'album ou encore d'un single, que ce soit quelque chose d'événementiel, quelque chose qui amène les fans ou encore des personnes qui consomment votre musique à être un peu à la page par rapport à votre actualité? Je me sens vraiment mal placé pour répondre à la place des autres, parce qu'en fait, chaque artiste musicien a une vision. Chaque artiste musicien a son cahier des charges, a sa façon de voir les choses. Mais moi, je pense que c'est très important d'être en contact avec, vous venez tout de suite de dire des fans, avec ceux qui aiment déjà votre musique. Quand vous leur laissez pendant longtemps ne pas vous écouter, ils peuvent partir écouter quelqu'un d'autre et s'adhérer à la vision de quelqu'un d'autre. Okay. Mais moi, ma façon de voir les choses, je pense que c'est toujours important pour un artiste d'être d'actualité et un artiste d'être actif et productif. Voilà. Actif et productif, on remarque, on sent qu'il y a quelque chose de différent en vous.
par rapport à votre façon de chanter, je l'ai dit même au début, par rapport à votre chanson, votre façon de chanter, est-ce que vous avez fait les cours de la musique? Non, non, de façon formelle, je n'ai pas étudié la musique, mais je pense que c'est à partir du jour où je me suis posé cette question qui paraît un peu banale. À mon avis, je pense que c'est une question très importante que chacun devait se poser. C'était la question « Qui suis-je ? » Mm-hmm. Artistiquement, je me suis posé la question « Qui j'étais ?» Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'étudier. Alors, vous savez, à l'école, je vais faire une parenthèse, j'ai beaucoup étudié Stanley, mais depuis que j'ai étudié Stanley, ça ne m'a rien apporté en fait. Ça ne m'a rien apporté. Mais à partir du jour où j'ai connu que Joël Ngoy, artistiquement, c'est ça, c'est à partir de ce jour-là que j'ai essayé de faire la différence. J'ai essayé d'exploiter l'authenticité que Dieu a mis en moi. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que dans chaque personne, Dieu place toujours une qualité, Dieu place une authenticité. Mm-hmm. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai développé le moi, en fait. C'est ma vision artistique, mon identité artistique. Mm-hmm. Alors, vous avez développé votre qualité, mais il y en a qui peuvent parfois considérer ça comme si vous faites un peu de trop par rapport au style de musique, parce que je l'ai dit au début, nous sommes habitués à un style de musique très différent. Parce que nous sommes Congolais, nous savons tout ce que nous consommons. C'est vrai qu'il y en a qui essayent de faire un peu la différence, qui vont un peu au niveau international. Mais surtout, je précise qu'on est dans le message, nous avons des personnes que nous prenons comme des modèles. Et avec ces personnes, on se dit, on aimerait faire comme telle personne, alors que vous ne faites pas ça. Est-ce que vous pensez que les gens vous acceptent facilement ou les gens écoutent votre musique comme écoutent les autres? Vous savez, ma soeur, Dieu qui est le créateur, avant de créer un poisson, il avait d'abord créé l'eau. Vous voyez, Dieu, avant de donner un don à quelqu'un, il prépare déjà un public qui va écouter cette personne. Ma démarche artistique, c'est pas vouloir plaire aux autres. Mais ma démarche artistique, je pense, c'est de faire découvrir aux gens ce que Dieu a mis en moi. Peut-être que ça peut être deux, trois personnes qui adhèrent à la vision, ça me va. Mais je ne pense pas que ce soit logique qu'un artiste court derrière un public. Nous sommes à Kinshasa, nous savons très bien ce que Kinshasa aime. Donc c'est facile de faire à la quinoise. Mais ma façon, ma démarche artistique, c'est de présenter ce que Dieu a mis en moi. Et de pouvoir avoir peut-être pas un grand public, mais de gens qui vont s'y adhérer vraiment, vraiment. Mais vous ne faites pas ça pour vous-même. C'est vrai que Dieu a mis ces dons-là en vous, mais vous avez un public à satisfaire. Vous avez les gens à bénir qui sont devant vous. Ce sont les enfants des dieux qui écoutent cette musique. J'ai un public à nourrir, en fait. J'ai un public à nourrir. Vous voyez, oui. J'ai un public à nourrir, mais je n'ai pas un public derrière lequel je dois courir. Public au Lingaraboué, la Salaboué, pour attirer la popularité. Je ne suis pas un artiste en quête de popularité. Je suis un artiste qui a une vision. Je suis un artiste qui a un message. Et je n'aimerais pas me détourner de la vision. Je n'aimerais pas colorer le don que Dieu a mis en moi. J'aimerais le présenter tout simplement avec cette authenticité, avec cette originalité. Avec cette authenticité et originalité, vous nous suivez, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre Chanter dans sa présence, cette émission qui reçoit pour vous des artistes musiciens chrétiens. Et aujourd'hui, nous passons ce moment avec notre frère Joël Ngoy, que vous avez découvert depuis le début. Jusqu'à maintenant, nous continuons. Vous aimeriez aussi être le prochain invité de cette émission? N'hésitez pas à nous contacter. On va écouter la quatrième chanson qui est « Mon meilleur ami ». On va se retrouver tout à l'heure. Quelquefois je me retrouve dans la panade, dans la solitude. Personne pour bonder mes plaies, personne pour sécher de larmes. Et dans ma solitude, j'entends toujours la voix qui me dit: je te
tiendrai toujours compagnie en tout temps et en tout lieu. C'est la voix de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, mon meilleur ami, mon fidèle ami. Qu'importe la situation, l'amour de ces mondes, l'intimité de ces mondes, l'amitié de ces mondes ne peuvent répondre à mon attente. Mais l'amour de Jésus-Christ qui déjà se sacrifia. Restera fidèle à vie, et là dans l'au-delà, il fera reposer mon âme. Okini tu paye atanihita, kwa jina langu jowerungoi, sababu watu wakisema sema sema. Bwana Yesu aliniokoa, ukinitupaye atanihita, kwa jina langu Joel Ngoyi, sababu watu wakisema sema sema, Bwana Yesu aliniokoa. Mon meilleur ami, mon fidèle ami, qu'importe la situation. Ta, ta la la la, ta la la la. Ta, ta la la la, ta la la la. Il se peut qu'un jour que ma famille m'abandonne. Bien de fois que mon ciel devient tout noir, il se peut encore que mes amis me trahissent, mais dans ma déception, Jésus me tient la main et me dit, t'en fais pas, oui, car moi je t'aime, je t'aime, je t'aime. Fidèle ami, ne me quittera, qu'importe la situation. Mon meilleur ami, mon fidèle ami, il ne me quittera, qu'importe la situation. Il ne me quittera. Ciel deviendra tout noir, il ne me quittera quand mes amis me décéderont, il ne me quittera même dans le noir. Mon meilleur ami, le meilleur ami, c'est Jésus. Alors qu'il y a des gens qui ont des amis dans ce monde, mais quand on les abandonne, c'est la chanson partout. D'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un de confiance et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? À ces personnes, je dirais que dans l'humain, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de très confiant en fait. Dans l'humain, l'humain est le sujet aux horreurs, même une bonne personne. Même une bonne personne est sujet aux erreurs. Il n'y a que Dieu qui n'est pas sujet aux erreurs. Donc, si vous voulez vous attendre à une amitié fidèle, à une amitié qui ne peut décevoir, cette seule amitié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu de mariage, ce n'est pas un souhait, nous avons vu de mariage dissous, la famille éclatée, des églises divisées.
Mais je pense, à mon avis, que la seule personne qui peut tenir parole et qui peut être fidèle à une amitié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Joël, vous faites la musique, c'est vrai, avec un style différent, je le répète encore, mais nous pouvons savoir qui est votre modèle dans la musique. Parler de modèle, c'est un peu difficile, d'autant plus, c'est vrai que j'écoute... C'est vrai que j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Dans mes débuts, il y avait Lifoko, il y avait YGC, et j'écoute énormément de musique. Même mes amis de maintenant, Enoch Badou, John Lusala, pour ne citer que ceux-là, ils sont nombreux. Hein. Mm-hmm. Tété Maccabi, Déborah, tout. J'écoute tout. Mais pour avoir un modèle, c'est un peu difficile. Je pense que je suis un cocktail. À force de beaucoup écouter, je suis un métissage, je suis un cocktail. Mais avoir un modèle comme tel, je n'en ai pas. Vous êtes un cocktail, mais si aujourd'hui, vous avez besoin de faire un featuring avec un seul musicien que vous appréciez vraiment, ça serait qui? Déjà, j'ai beaucoup d'amis. Je veux un seul. Non, ça va susciter déjà. Non, un seul. C'est lui avec qui tu t'es dit. Ah non, ça c'est, même s'il faudrait que j'arrête. C'est une question difficile que je ne saurais répondre. Même s'il fallait que j'arrête la musique aujourd'hui, j'aimerais quand même faire une chanson au moins avec telle personne. Bon, aujourd'hui là, si on m'est demandé de faire un featuring, je vais demander de faire le featuring avec la sœur Pascaline. Non, moi je ne chante pas, je ne suis pas. Ça sera peut-être la première fois. Non, moi je ne chante pas. Ça sera peut-être la personne. Je suis musicien. Tété. Ngaïgara, soyez un ingénieur, c'est un featuring, les lots. Sœur Pascaline. Non, mais c'est répondu. Vous n'avez jamais chanté à une église? Dans l'église, vous ne chantez pas? Ben, je chante collectivement. Ben oui, nous tous avons commencé par chanter collectivement. Ben aujourd'hui, la réponse à cette question, si on m'est demandé de faire un featuring, la sœur Pascaline. Aïe. Comprenez, hein? Il ne veut pas seulement répondre. Non, j'ai répondu. Vous avez combien d'albums depuis 2009? Depuis 2009, par la grâce de Dieu, nous avons trois albums. Trois albums. Ouais, nous avons trois albums, dont deux albums live, et non, deux albums studio et un album live. Live. Qu'on peut trouver où? Déjà à l'internet, il y en a. Le support physique ces derniers temps, c'est de plus en plus difficile. Oui. Je pense la référence est l'internet. Si vous entrez, vous tapez Sir Joël Ngoy de Kisangani, tous les albums vont apparaître et vous saurez comment le télécharger. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Frère Joël, s'il y a quelqu'un qui veut vous contacter ou encore quelqu'un qui veut vous soutenir dans ce que vous faites, il fait comment pour vous avoir? Déjà, mon mail c'est Sir Joël Ngoy Osinga en un seul mot. Sir Joël Ngoy Osinga en un seul mot. @gmail. Mon numéro c'est +243 85 246 5 846. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot avant de nous séparer. J'avais voulu vous remercier. Merci. Pour l'invitation, parce que c'est vrai que j'attendais cette invitation. Mm-hmm. Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. Je remercie la RTVA pour l'opportunité qu'il nous offre de passer dans cette émission. Je remercie le révérend pasteur Barouti. C'est la première fois que j'entre ici, mais c'est magnifique. Mm-hmm. Je le remercie pour la RTVA, pour tout ce qu'il fait pour nous les enfants de Dieu. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont eu la chance de suivre cette émission. Je remercie John Mungwa, mon frère. Et voilà, je remercie tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui ne m'aiment pas. Voilà. Vos impressions par rapport à cette émission chantée dans sa présence? Déjà, c'est plein d'émotions parce que moi-même, j'attendais. Je suis un fan de cette émission. Okay. Toutes les fois que vous postez sur YouTube, je regarde depuis à la fin. Aujourd'hui, d'ailleurs, je regardais les émissions. Je suis un fan. Je vous encourage et que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne toujours l'initiative, la bonne santé. Voilà quoi. C'est waouh, cette émission, c'est une belle émission.
Merci beaucoup, Frère Joël, et merci à tous ceux qui nous ont suivis du début à la fin. Vous aimeriez aussi participer? C'est simple, il suffit de nous écrire à travers le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et pour nous, nous allons nous séparer par là aujourd'hui. Merci à Paka Fédé qui était au four et au moulin aujourd'hui. Merci également à Emma Kambanga à la réalisation de cette émission, Patrick Manzambi, John Lusala, toute l'équipe, Joël Mboukou. Je vois également Papa Emma Kabangou, je vois Hector Badibanga, Serge Mambandou, toute l'équipe, vous êtes nombreux. Merci, vous qui avez fait que cette émission puisse réussir. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de la RTVA. On va se fixer rendez-vous pour un prochain numéro de Chanter dans sa présence. Je vous laisse suivre la chanson Dada qui sera combinée avec Soutien ma foi. On se revoit prochainement. Je suis le temple sacré que tu as pu profaner. Je suis porté aux vies que tu as cru anéantir. Je suis ta sœur. C'est nos bords d'une été
grave.